Qu'en penses-tu, éphéméride? Si je traverse une terre aride, vais-je donc prendre un coup de vieux? Et si je me crème d'antiride, me dose de lotion perfide, vais-je donc rester sur mes 32? Qu'en penses-tu, éphéméride? Qu'en penses-tu, on se fatigue? Pour rester le nom courbe les chines. On se sportive, on se footing. On s'alasso, on s'imbécile. La banane sous la bedaine. Tranquille. Quand nos jeunesses se font avares, que nos atomes se font avoir et que nos plis s'accélèrent. On se contemple dans nos miroirs, on fait appel à nos mémoires pour se retrouver comme hier. On s'atrophie, on se malise, on se clinique, mais nos valises sont déjà sous nos yeux. On se maquille, on se dégrise, on met le gâteau sur la cerise, c'est le paquet du papa gâteux. Je traverse une terre aride, vais-je donc prendre un coup de vieux? Et si je me crème d'antiride, me dose de lotion perfide, ferai-je de vieux os et des envieux? Qu'en penses-tu, éphéméride? Qu'en penses-tu, on se fatigue pour garder la pêche et la ligne? On se sportive, on se footing, on se talasso, on s'imbécile, on se trouve heureux dans nos vieux jeans. Nos années nous font savoir les lendemains de nos grands soirs que bon Dieu, on n'a plus 20 ans. Et l'on découvre la gueule qui boite, que la vie ce n'est qu'une arnaque, un living room pour adolescents. On se panique, on se décline, on se catastrophe, au moins le signe de fatigue et d'essoufflement. On se vitamine, on se juvamine, et puis